Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre projet Zentangle. La semaine dernière, nous l'avons commencé, donc je ne sais pas si vous vous rappelez. Hop, hop, hop. Non, on voit pas. Je vous mets sur les mains, c'est plus simple. Voilà, on avait commencé ceci. Eh bien, on va faire la suite aujourd'hui. Donc, on retourne notre projet et nous avons une nouvelle phase qui se présente à nous. Donc, on prend notre stylo noir et on y va. Tranquillement, on se détend et on essaie de ne penser qu'à notre Zentangle et rien d'autre. Allez, c'est parti. Donc, pour ça, donc, je fais attention à bien fermer mon projet et je vais déterminer un carré au milieu. Pardon, excusez-moi. On va déterminer un carré qui va plus ressembler à un rectangle sur le mien, mais ce n'est pas trop trop grave. Voilà. Un carré comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prolonger certains traits et pas d'autres. Donc, je vais prolonger ce trait vers le bord. Ensuite, je vais prolonger lequel, hop, toc, toc, c'est celui-ci que je vais prolonger en bas. Ensuite, je vais prolonger celui-ci vers le haut. Et enfin, celui-ci vers la droite. Je sens que je vais pas avoir le temps d'en faire beaucoup de Zentangle aujourd'hui. J'entends mes enfants qui pleurent, qui sont fatigués, donc je vais n'en faire qu'un pour aujourd'hui et je continuerai du coup pour la semaine prochaine. Voilà, je suis désolée. Donc je vous présente donc celui-ci et après je m'arrêterai. Alors ensuite, après avoir fait la prolongation comme ceci des traits, nous allons essayer de rester droit et de faire hop, comme un bandeau ici. Un bandeau de la même taille à peu près. Hop là. Comme ceci. Un comme ceci et un comme ceci. Voilà ce que l'on obtient pour ce Zentangle. Ensuite, une fois qu'on a fait les prolongations, on va faire en sorte que ces petits bandeaux-là, eh bien, ils vont passer dessous. Donc, on va continuer les traits. Comme si ça passait sous les comme un tissage, voilà, tout simplement. On fait comme si il y avait un tissage. Donc je fais pareil ici et ici et enfin ici. Voilà. Donc nous avons un quadrillage qui donne ça. Et maintenant, on va s'amuser à décorer tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour l'instant, je garde mon stylo noir et ici, dans cette partie-là, je vais faire des petits triangles. Voilà donc ce que ça donne dans un premier temps. Et à l'intérieur, je vais faire des petits traits à l'intérieur. Voilà le premier petit schéma à l'intérieur de notre tissage.
Et nous allons enchaîner avec un deuxième, tout simplement. Alors, on va faire un petit schéma tout simple. Alors, je vais prendre. C'est en noir toujours. Je vais faire un encadré. Comme ça. Ici, au milieu, je fais deux cadres, pareil, deux petits carrés ici. Également en face, en bas. Et sur les côtés ici. Voilà. Hop, ici également. Voilà. Et à l'intérieur, je vais faire des petits traits de couleur. Mais je vais prendre du rouge, par exemple, pour faire des zébras à l'intérieur. Hop. Voilà. Et je vais changer de couleur pour tout le tour. Voilà, je vais faire en violet. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on va faire un deuxième schéma très simple. Donc il s'agit de faire des petits points. Voilà, bien en face, que ce soit en colonne ou en ligne. Voilà, hop. Voilà. Et ces petits points, on va les attacher en faisant des sortes de zigzags, des S. Voilà, ça dépend comment on l'appelle. On démarre en haut d'un point, par exemple, en haut, et on fait une vague pour arriver en bas de l'autre point. On démarre en haut, on va jusqu'en bas. Comme ceci. On fait toute la colonne comme ça. Voilà. Une fois que nous sommes en haut, arrivés en bas, on repart en haut pour attacher au niveau des bords. C'est toujours pareil. On part en haut. Hop. On va attacher sur le trait. Sur le côté. On imagine qu'il y a un point qui est caché derrière le trait. Voilà. On repart en haut et cette fois-ci, on part en bas pour l'attacher de l'autre côté. Mais cette fois-ci, en bas. Voilà. Une fois qu'on a fait ces petites vagues dans ce sens, on fait exactement la même chose, mais en tournant. Hop. On démarre en haut et on va en bas, en haut, en bas, etc. Et nous avons notre deuxième schéma ou troisième schéma pour ce dessin. Ensuite, on va partir ici. Oui, on va faire ici, pourquoi pas. Ici, on va faire aussi une bande de triangle, comme tout à l'heure, voilà, comme ceci, sauf qu'on va le compléter différemment à l'intérieur. Donc, on fait des triangles. Voilà. Une fois que vous avez vos triangles de fait, vous allez compléter avec un triangle, mais au milieu, à l'intérieur de chaque triangle. Donc, hop, que vous mettez en noir. Voilà.
comme ça, et on fait chaque triangle de la même manière. Donc voilà le rendu de ce deuxième schéma, troisième schéma, quatrième schéma. Et enfin, on va faire le dernier, donc le dernier pour aujourd'hui, qui se trouve sur cette dernière bande. Donc là, nous allons faire deux, on va dire deux parallèles, pas forcément en droite, hein. Ça peut être un petit peu tordu, ce n'est pas grave. Et nous allons faire aussi des verticales, pas forcément droites également. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, donc ce qui a formé des rectangles ou des carrés selon, à l'intérieur, nous allons faire comme un petit escargot. Donc, alors, soit on fait les bords arrondis, soit on fait les bords plats, enfin anguleux. Voilà, c'est comme on veut. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, comme ceci. Et on fait toute la petite bande comme ceci. On tourne jusqu'à ce qu'on ne puisse plus tourner. Et voilà donc ce que cela donne. Voici donc le schéma d'aujourd'hui. Tout simple en final, hein. Il n'y a pas grand chose de très compliqué. Donc la semaine dernière, c'était ça. Cette semaine, ça donne ceci. La semaine prochaine, on fera, hop, comme ceci. On ouvrira tout simplement, hop, un côté. On pliera de l'autre et on fera son schéma ici. Et donc, je vous laisserai le découvrir la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!